Hackathon est une initiative de Orange Guinée à travers Orange Digital Center. C'est dans le but de développer une solution digitale qui pourra répondre à la question de la santé maternelle et infantile. Et pour atteindre cet objectif, des filles développeuses de web et entrepreneurs ont monté des projets innovants dans le cadre du développement d'une solution digitale. L'idée est de montrer que les femmes sont aussi capables. Hackathon a été initié à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme avec le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Hackathon de Orange Digital Center a permis aux filles sélectionnées de monter des projets innovants en faveur de la santé maternelle et infantile. Après la présentation des différents projets par les 5 groupes de filles, c'est le 3e groupe qui a initié une entreprise dénommée InnoSanté qui a remporté le trophée. Dans leur entreprise, les initiatrices de InnoSanté ont proposé 3 applications à solution sur la santé maternelle et infantile. Le groupe de 6 filles a remercié Orange Digital Center pour son initiative à leur faveur. Au nom du groupe, d'abord, nous sommes très contentes parce que de un, nous avons passé un bon moment ensemble. Et sincèrement, de manière personnelle, moi, c'est ma première fois de participer à un tel concours. J'ai appris beaucoup de choses avec elle. Nous avons fait du bon boulot, malgré qu'on a beaucoup tardé sur le projet. Mais au final, on a pu comprendre que ce n'est pas la rapidité qui compte. Mais en fait, le fond du projet qui est important. Du coup, on est très contents d'avoir gagné, d'avoir participé à ce concours. Nous remercions Orange Digital Center d'avoir mis en place ce concours qui nous a permis de découvrir plus de capacités en nous et plus de compétences. Les solutions innovantes digitales doivent permettre aux différentes cibles d'accéder à une multitude d'informations leur permettant de prendre des décisions relatives à leur santé ou à celle de leurs enfants dans leur maison et leur lieu de travail. Cette initiative de Orange Digital Center est de donner plus d'opportunités aux filles dans la créativité. Le besoin de santé maternelle et infantile en est une préoccupation des responsables de Orange Digital Center. Le meilleur projet sera soutenu et accompagné, a rassuré Mohamed Lamine Keïta, administrateur de Orange Digital Center. Ça s'est déroulé sur 3 jours. On a eu environ 28 participantes qui ont constitué 5 groupes. Et chaque groupe a réfléchi à une solution et vous avez assisté aux présentations. Apporter de telles solutions en juste 3 jours, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, en tout cas quelque chose de très très inventif, de très créatif qu'il faut saluer parce qu'elles ont rivalisé d'imagination pour proposer des solutions, pour apporter vraiment leur contribution de leur façon. Donc on a vu 5 projets dont les participantes seront accompagnées par Orange Digital Center en matière de formation, en matière d'affinement des différents projets pour leur donner la possibilité d'aller encore plus loin dans les idées qu'elles ont eu à proposer aujourd'hui. Ce concours qui a duré 3 jours a connu la participation de 28 filles développeuses de web et entrepreneurs. Le choix du meilleur projet innovant sur la santé maternelle et infantile a eu lieu grâce à la clairvoyance d'un jury. Pour être très franc, les 5 groupes ont bien mérité, mais malheureusement, et en démocratie, on est obligé de sélectionner les meilleurs. Et le 3e groupe est sorti de l'eau par l'innovation, par l'impact que ça va faire sur le pays, comme suivant les critères, mais surtout l'innovation a prédominé sur le choix. Dans ce projet qui a remporté, ce qui nous a plus marqué, elles sont allées au-delà de ce qui a été demandé. Comme vous l'avez rappelé, le problème c'était quoi? Accompagner les femmes et, le problème lié à la santé enfantine. Mais elles sont allées au-delà pour dire, au cas où on n'aurait pas sélectionné plutôt ces 3 problèmes, on peut même aller jusqu'à adopter des enfants, en mettant à disposition un process qui permettrait, via l'application, d'aller jusqu'à adopter des enfants qui seront dans le besoin. Vraiment, ils sont sortis du cadre pour apporter un plus supplémentaire par rapport à ce qui a été demandé.
D'autres activités liées à la créativité seront au rendez-vous à Orange Digital Center pour donner plus d'opportunités aux jeunes et filles entrepreneurs.